besoin d'être un maître Jedi pour comprendre le livre. Il suffit d'être un padawan. Moi, c'est Lydia. Je suis bibliothécaire. Je travaille pour BNQ, à la section art et littérature à la Grande Bibliothèque. Ce qu'on respire sur Tatooine est un roman paru en 2018 chez Del Busso, qui est écrit par un auteur québécois, Jean-Christophe Réel, qui est également reconnu pour sa poésie. On suit le quotidien du narrateur, qui est un poète à l'imagination débordante et qui vit avec la fibrose kystique, une maladie pulmonaire dégénérative. C'est aussi un amateur de Star Wars, comme en témoigne le titre du roman, mais aussi de culture populaire en général, puis il va injecter plusieurs références à ces univers-là dans son récit. C'est très touchant, c'est très drôle. L'auteur, le narrateur, a un humour noir, souvent un peu déjanté, décalé. Ça se lit très bien, ça se lit facilement. La langue, elle est simple, mais évocatrice. Les phrases sont courtes et rythmées. Bref, c'est très efficace. Je dirais que ça s'adresse à tous ceux et celles qui aiment lire des romans qui sont empreints de poésie et d'humour, qui aiment des intrigues qui sont ancrées dans le quotidien, mais un quotidien dont on va montrer aussi bien la noirceur que la lumière. Pendant tout le mois d'avril, vous pouvez télécharger la version numérique du livre sans liste d'attente parce qu'il est offert en accès illimité sur prenumérique.ca. Vous pouvez visiter le groupe Facebook Un Livrel Canada Club de lecture et suivre Un e-read Un Livrel sur Twitter et échanger avec des personnes qui partagent votre passion de la lecture. Puis le 25 avril, vous pouvez assister à une rencontre virtuelle avec l'auteur Jean-Christophe Réel qui sera animée par Émilie Perrault. Donc, c'est un rendez-vous!